beautiful people. Comme nous connaissons, non moins c'est Siloran, c'est teacher Siloran. Je dis à nous venir parler de l'autre lettre dans l'alphabet. Mais comme nous connaissons, nous avons étudié ensemble phonétique internationale. Eh bien, je dis à nous parler de English pronunciation from A to Z, part 7, the letter G. En prononciation anglais, de A à Z, nous avons dit la partie 7 et nous avons la lettre G. Ok. Hoy, le boy a hablar sobre la prononciation de inglés de letra A à Z. Estamos en la parte 7 y la letra G. Lo que tenemos hoy es G. En el abecedario se dice G, G, pero tú sabes que en español dice G. Es esa letra que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Por no comenzar, nos conocemos que letra G, en inglés, na alfabet la, li prononce G. G, G, na alfabet. Eh bien, jodi a, nou pralwe 5 ou 6 façons que ou capable prononce lettre G sa en anglais. Ok? Letre G sa, nou pralwe comment nou capable prononce en anglais. Numéro 1. Dans numéro 1, lettre G ça li prononcer comme j j j. OK? Nous dit li prononcer j j j. Mais qu'il est prononcé comme ça au commencement yon mot, et bien lorsque mot a nous gagner j plus E, G plus I, G plus Y, et bien, G ça, li prononce J, J, J. Quand nous tenemos la letra G, después de la G se encuentra la vocal E, o sea la vocal I, y la Y, y el sonido de la letra G, cambia, se pronuncia como j, j, j. Ejemplo, tenemos general, ok, you see, general, general, right? General, gene, genius, ok. Nous gagnons comme exemple, nous gagnons general, general, gene, genius, ok. Et il y a nan fè yon motou, j sa, lorsque il suivi de e ou bien i ou bien y, li prononce comme j, j. Si d'après un exemple, si nous dit rage, ouais, rage, rage, age, 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 ok, stage, stage, nous en dit, ce sont j, j, j. Al final de una palabra también, la G suena como J, J. Por eso tenemos rage, age, stage. Ok? Mais, nan sa gagne exception. Ou capable de jouer G. Li gon E devant, et pourtant, li pas prononcé comme J, J. Exception nous gagne. Nous gagnons together. Après G, ça nous joue. Yon E, mais li pa ka di tout J. Ou pa ka di together, mon dit together. Ça son exception. Et nous gagnons toujours. Nous gagnons tiger. Après G, c'est yon E. Mon pa capable di tiger. Ou di tiger. Tiger. Et nous gagnons le verbe to get. Ok, ou pa ka di jet. Jet, malgré après G, son E. Nous dit
get. Get, not jet. Ça c'est exception, il gagne pile toujours. On nous partit. Quand il y a nous gagne G plus I. Lorsque vous gagnez G plus I, eh bien, vous gagnez un son J. 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 Exemple, nous gagnez giraffe. Ouais? Giraffe. Giraffe. Et l'autre exemple, nous gagnez encore, nous gagnez giant. 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 Quand nous tenons la lettre H, et después la I, cela J. 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 Ejemplo, tenemos giraffe. Giraffe, giant, magic, magic, giraffe, giant, magic, ouais, j, j, ok? Et, autre parabla, il y a de sa parabla también, hay excepción, pero después de la excepción, antes, a otra parabla que tiene los dos, tiene la I y la E, después de la G, avant nous bay excepción en ça, gagne un mot qui gagne I après GA et puis E après GA qui gagne c'est bien son J. J. Nous gagne ginger. Ouais? Ginger. 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 Ok? Exception nous gagne. Côté nous gagne G plus I qui pas son gagne son J. J. Nous gagne girl. Ouais? G-I. Ouais? Girl. Girl. Give. To give. I give you $5. Ouais? Give. Ok? C'est exception. Quand on apprend, c'est G plus Y. Nous disons, lorsque G plus Y encore, nous gagnons son J. 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 Ok? G plus Y, nous gagnons son J. 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 Ok? Exemple, nous gagnons gym. Ouais? Gym. Energy. Energy. Apology. I apology. Apology. Ok? Moussaïo, il termine par G plus Y, il y a un son J. Et ça se fait à la place quand nous tenons He, Mas, Y, suena comme J. 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 Pour eso, je digo Jam. Jam. Energy. Apology. Apology. Exception, lorsque vous avez deux G plus Y, eh bien, li pa gen son j, j, le sa vin gen son g, g, g. Nou genyen eggy, nou genyen doggy. Nou pa ka di edgy, nou pa ka di doggy, men nou di eggy, doggy. Ok, numéro dos. Numéro de, nou genyen g ki prononse kom g, g. Eh bien, se mo ki plus, nou plus, li plus komè. Pour prononcer, parce que parfois, les gonti sont légères, les pas tellement forts, surtout les Américains à prononcer. Ok? Les Américains à prononcer G, qui termine un mot, eh bien, les gens sont G, G, les pas prononcer tellement foncé, mais anglais, anglais, prononcer foncé. Ok? Nous gagnons exemple, nous gagnons girl, ouais? Girl, G, G, girl. Get, get, gift, 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 et puis go, go. Regarde les sons g, g. Les sons qui plus souvent. Mais son ça, nan fin un mot, ok, nan fin un mot, américain dit très léger. Il dit un soft sound. Lorsque américain a prononcé mot ça, il dit un soft sound. Et lorsque anglais a prononcé, il gagne un hard sound. OK? Lorsque américain a prononcé, il gagne un son soft, très douce, mais lorsque anglais a prononcé G ça qui termine une phrase, il gagne un son dur. Nous dit hard sound and soft sound. Américain dit egg, egg légèrement, il dit big, big légèrement, il dit dog, ouais, dog. Et pourtant, anglais même il dit egg, egg, big, dog, ok? You see? Américain dit egg, ouais, egg, big, dog. Il n'est pas tellement son g, pas tellement sorti fort, il n'est pas dur. Ça nous dit soft sound. Mais lorsque anglais a dit, il dit egg, ouais, g,
big dog. OK? Alexandre Grab dit the big dog. The big dog. The big dog. OK? Américain dit, American accent, the big dog. The big dog. OK? But English accent, they said the big dog. The big dog. The big dog. Américain, the big dog. The big dog. C'est comme si on pas dit GIA. The big dog. The big dog. OK? Et nous gagnons G plus L et puis G plus R. La H mas L, la H mas R. Suena comme G. G. Par exemple, nous gagnons glad. I'm glad. Ouais, glad. Glass. Glass. Green. Grass. Ouais, green. Grass. Son ça tout sorti G. G. Et puis, à la fin d'un mot, comme nous te dit déjà, à la fin d'un mot, son G ça toujours G. 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 Ok? Nous avons pig, ouais, pig, dog, etc. Ok? Et son G ça encore, il est toujours prononcé G. 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 Lorsque G plus A, G plus O, G plus U. La lettre H suena comme G. G. Quand on tenga H mas A, H mas O, H mas U. Exemple, nous gagnons game. Ouais, game. La H suena G. G. Game. Ok? Nous gagnons H plus O, G plus O, nous gagnons go. Ouais, G. G. Go. Go. Et nous gagnons G plus I, libanou, gum. Ouais, gum. Gum. Get up. Get up. Get up. Ok? Et avec mot, gagnons pile mot qui c'est G plus H. Dans G plus H, yo, au commencement, yon mot, eh bien, G et H là, li silence. Li silence. Quando tenga una palabra y que empieza en el cuando tenga la palabra encuentra H más H y la H a veces no suena. Parfois, lorsque nous gagnons un mot qui gagne G plus H, parfois, mais surtout, lorsque nous commençons un mot, eh bien, H là fait silence. H là pas prononcé. Exemple, nous gagnons ghost. Ghost, ouais. Ghost. Gagnons H, H là pas prononcé. Et nous gagnons ghetto. 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 H là pas prononcé. Pourquoi nous parler dans spécial one, un, special one. Nous gagnons des bagages, c'est spécial yoye dans lettre G. Yo très très spécial. Ça fait que nous avons special one et nous avons special two. Dans special one, non? G plus H à la fin d'un mot, G H ça a prononcé comme F. Let's go guys. Lorsque vous gagnez G plus H à la fin d'un mot, eh bien G H ça a lui prononcé comme F. Exemple, nous gagnons laugh, ok? Laugh, ouais, ou j'en G-H. At the end of the word, eh bien, it sounds F. F, 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 ok? Gagnons laugh, laugh, you see? Laugh, enough, enough, cough, cough, and so on. Nous dit, quando tenga una palabra que termina con H, la H suena como F, suena como F, F, F. Ejemplo, tenemos el verbo to laugh, ouais, laugh, tené H, je digo laugh, laugh, ok? After laugh, tenemos enough, enough. Cough, cough, etc. Et spécial 2, là c'est spécial 1, non, et spécial 2, hein? Nous gagnons GH à la fin d'un mot, et bien GH là, pas prononcé.
Nous avons un spécial 1, GH, dans à la fin un mot, lui prononcé comme F. Dans un spécial 2, GH, à la fin, dans fin un mot, lui va prononcer, lui silence. Exemple, nous avons un mot high. High, quand GH à la fin, nous dit high, GH va prononcer. Nous avons side. 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 GH là va prononcer. Nous avons through, 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 although, although, etc. Ouais, GH là pas prononcé. Ça c'est spécial D. Ok? Tenemos al, unos especiales. Cuando tenga la GH al final de una palabra, a veces la GH suena como F. Y ahora en especial 2, la GH no suena. ¿Ok? Es por eso tenemos high, side, through, although, although. ¿Ok? La GH es silencio, no suena. Número 3. Number 2. Número 3. ¿Ok? Number 3. Nous gagnons G qui gagne l'autre son. G ça gagne l'autre son ça, c'est lorsque ou joine ing, ong, ang, ung. Là ça G a gagne l'autre son, gagne son ng, ng, ng. Dans mot, par exemple, si nous n'a dit nous nous écrit singing, nous va dire singing, mais nous singing, ouais, singing. Nous allons dire ringing, mais nous ne pas dire ringing, nous dit ringing, 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 etc. Ok? Con en las palabras que terminan con ing, ong, ang, ung, la g suena como ng, ng, ng. Ok? Por eso, en singing, en vez de decir singing, se dice singing, singing, ringing. Ringing, ok? Et ça, et c'est sonido tiene en esa parte. Ahora, el número 4, number 4, numéro 4, j'ai prononcé, même j'avais j, 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 nan mot que anglais a prêté nan langue française. En pile mot que anglais a prêté nan langue française là, eh bien, j'ai prononcé comme j, j, j. Exemple, nous gagnons gyre, gyre, ouais. Et nous gagnons l'autre mot encore, nous gagnons rouge, rouge, ouais, j, rouge. Ce sont des mots français, eh bien, anglais a pris théo, dans le sens ça, nous gagnons son j. Nous gagnons garage, nous garage, nous gagnons son j. Malgré ces GI, ils sont mots français liés, eh bien, nous dit garage. Ouais, j, garage. Garage. Ok. Kounia, nous n'avons numéro 5. Numéro 5, là, qui s'allie, c'est silent G. Dans numéro 5, nous avons sacré silent G. Et la lettre H, nous suena. Lettre G, pas prononcer les anglais, les silent. Nous gagnons G plus N, eh bien, G a pas prononcé. G a silent. Dans le mot design, ouais, design, G a pas prononcé. G a silent. Nous gagnons resign, foreign, foreign, ok? Design, resign, foreign, c'est G plus N, G a pas prononcé. Et lorsque gagne G plus H encore, G a pas prononcé. Dans le sens, dans le mot ça, on n'a pas joué non, c'est comme si G a combiné avec un H, il a pas prononcé. Là nous gagne G plus H, et bien groupe mot des mots ça, des lettres ça, il a pas prononcé. Quand on tenait mots he, mas, H, y el grupo de esa palabra, de las letras, no suenan.
he h en la palabra night. Ouais, night. Tenemos he h, nous gagnons g h et bien groupe g h ça, yo pas prononcé. OK? Nous dit night. Hi. Sign. OK? Yo pas prononcé. Nous gon l'autre encore, c'est g plus m. G plus M, eh bien, G a le silence. Et la he no suena. G is silent. Na G plus M. Nan mo, nou gen flame. Flame. Ok, nou pa di flegme, men nou di flame. 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 Et nou gen l'autre mot encore, nou gen nou di paradigm. Paradigm. Paradigm, ok? Moussayo, j'ai a pas prononcé. Eh bien, c'est ça. Nous gagnons dans English pronunciation from A to Z. Ok? Part 7 de l'aide G. Ok? Comme révision, nous te dit dans numéro 1, j'ai a prononcé comme J. J. C'est lorsque j'ai a, ou je n'ai après, lorsque j'ai a, ou je n'ai E, ou bien je I, ou bien je Y, les ça nous dit, j'ai à prononcer J, J. Numéro 2, j'ai à prononcer G, G, G. Qui l'a joué, c'est lorsque moi terminé, à la fin un mot, et bien parfois, après j'ai rejoint A, après j'ai rejoint O, après j'ai rejoint U, les ça, j'ai à prononcer G, G. Troisièmement, j'ai à prononcer ng, ng. Lorsque vous jouez un mot qui termine par ing, ang, ong, ung, et j'ai à prononcer comme j, j, dans le mot que l'anglais a prêté dans la langue française là. Cinquièmement, gh prononcé comme f, parfois dans fin un mot. Dans fin un mot, nous disons ça que parfois, gh prononcé comme f. Nous avons comme exemple, laugh. To laugh, ok, laugh. Et sixièmement, nous gagnons gh, gm, gn, et bien nous disons ça que g a lui-même li silence. Ok, donc nous gagnons gm, gn, gh, gh silence. C'est d'après un mot, nous sommes capables de resign, resign, pas de resign, resign, resign. Guys, avant ou aller, pendant que vous regardez la vidéo, ça, avant ou aller, ou quitter la vidéo, partagez la vidéo. Abonnez, si vous pouvez abonner, ou bien partagez pour l'autre monde qui a abonné, balayez like, et puis laissez un commentaire. Ça permet que, le nous pral oué, l'autre lettre qui pral vini, après G, nous compte qui lettre qui pral vini, G, H. Après G, nous pral jouen H, et bien, vous nous partagez le bayo, laissez ça si vous abonnez, il y a qu'à regarder l'ensemble avec nous. Guys, don't waste time, time is gold.